Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Yo la team, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 7 avril et ce soir, c'est une soirée spéciale R6. Stéphane n'est pas là, vous le savez, il est au Portugal. C'est une grosse préparation. Il est super tôt, je suis explosé. Grosse préparation, pourquoi? Parce que... excusez-moi, il est 8h du mat. Je ne suis plus habitué aux 8h du mat, là, j'y arrive plus. Grosse préparation, pourquoi? Parce que on a toute la déco qui est arrivée. Et vu que c'est une très grosse soirée, en fait, on va refaire entièrement le plateau en termes de déco. Et là, on vous parle pas de petites décos qu'on achète à droite à gauche et qu'on juste qu'on met. Vraiment, il y a des chefs décorateurs qui sont venus avec des gars, là, ils sont installés en bas, ils ont mis un mont de charge. Ça passe pas dans le colimaçon. Le max qu'on peut passer, c'est ça, c'est demi-table de ping-pong. Et en bas, il y a des éléments qui sont plus gros que ça. Donc voilà, là, ils sont en train de tout monter. Une fois qu'ils seront dans le décor, je viendrai un peu vous filmer tout ça, là, parce que ça va être trop stylé. J'ai vu qu'en plus, il y avait beaucoup de gens qui kiffaient R6, qui étaient impatients de voir cette soirée. Ben voilà, ben, c'est ce soir. Et on a fait les choses bien. Voilà. Voilà team, j'espère que vous allez bien, je suis de retour. Yann est arrivé, il s'est passé un truc, c'est que Yann m'a proposé un duel de short pong. De base moi je lui ai dit, bah, viens on met en jeu, je sais pas, le perdant il va acheter des bonbons et voilà on fait le goûter comme ça, tu vois, un truc gentil. Dis non, tu sais quoi, si Yann gagne, je continue à faire pousser ma barbe pendant un mois de plus. Et si je gagne, Yann se rase la barbe. Oh le rêve de voir ça. Ça ne sait pas sortir que si je gagne. BO1, 11 points. Non, mais tu perds à chaque fois. Mais oui, j'ai jamais gagné contre Alex. Il perd tout le temps. Moi j'accepte le duel, faut porter ses balls. Hein. Ça veut dire que potentiellement Alex peut être vraiment chaud le shooting. Parce que là, autant les autres fois quand on en parlait et tout, ouais, on disait ça va et tout, autant là ça commence. Ah, ça commence à être quelque chose là. Là, c'est quand c'est très long. Presque un mois là, je pense. Et c'est combien de temps? Bah, c'est jusqu'au fin avril. Donc là, ça veut dire que je tiens jusqu'à juin si je perds. Ça veut dire que le Japon il a ce. Oui, oui. Oh mon dieu. Oh le bâtard. 1-0. 2-0. Oh, 4-2. Tu sais que je stresse, hein? Mec, je suis sur un PLS là. J'ai les bimbos là. Avec ta belle barbe là, je vais aller la chercher, mon pote. Il y a une double touche. Ouais. Ouais. Je laisse rien passer, mon pote. Ok. Oh frère, c'est Roland Garros. Oh là 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 là. Oh, là, les coins! La question. 14-13. Les coins! Oh la vache! Oh la vache! Oh, t'en joues, hein, frère. Oh, tu gardes ta barbe! Tu gardes ta barbe! Non! Le focus de la G-Cross fait beau! Oh, je stresse tellement! Mais j'en peux plus! Ouais. J'ai le cœur en PLS! Les 4 premiers points, vraiment, j'étais en mode pro, je tremble! C'était Roland Garros, 5-7, ah ouais. 18 heures de jeu! Le Japon en barbe! Non, dommage, je devais pas avoir la barbe le mois de mai, mais je vais devoir l'avoir! La honte! Oh là 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 là! Bon, après, en vrai, par rapport à d'autres, tu t'en sors bien, puisque je pense, Yann, 3 mois sans rien faire, c'est quelque chose! Des poils de couilles! Ouais, tu vois ce que j'ai sur la tête? Bah pareil. Yo re la team. Alors on va refaire un montage de fin. Oh mon dieu. Petite explication pour le montage de fin. Oh, la technique. Explication. C'est pas qu'on en fera plus, mais c'est que en fait on le fera que quand on aura une idée vraiment qui colle parfaitement. Du coup il n'y en aura pas à chaque fois. Des fois il y en aura plusieurs fois de suite. Des fois il n'y en aura pas pendant 3 semaines. Ce sera que quand il y a des idées de fou. Il faut pas forcer les bonnes idées. Yann a envie de bosser ou pas quoi. Bah non. Faut pas forcer les bonnes idées. Oh, c'est voilà, pas cool. Faut pas de forcer dire les... C'est très bien ça. Parce que des fois, j'avais pas vraiment d'idée, j'essayais de le faire et ça non, marchait moins bien. Là, on a une petite idée. On va remplacer un écran. On va pas expliquer ce qu'il y avait dans l'écran. Et on va juste faire une petite incrustation de fin pour dire de vous abonner à la chaîne, de lâcher un like, pas vrai les gars. D'ailleurs faites-le aussi dans le vlog. Elise qui fait un placement de ouais, produit derrière. Le placement de... Oh là là. Ce banger il est achetable dès maintenant. Quand ça sort, ça vient de sortir ça, non? Oh my god. En plus on va tous en avoir une chez nous, pas vrai Elise?
Allez, je sais pas où est-ce qu'on se met. Moi j'aurais bien aimé avoir la fresque derrière. Est-ce que t'as filmé comment t'es habillé aujourd'hui? Bah, je suis venu en, en mode schlagos quoi. T'es en pyjama quoi. En mode Ça va, j'ai mis un jogging. Est-ce que je parle quand t'es en Lacoste TN toi? J'ai pas de Lacoste. Et bah on dirait. Elle était super cette vidéo, pas vrai? Allez, lâche un like. Putain, c'est drôle ça. C'est une mère, il est drôle naturellement. Et toi t'arrives, tu te dis, et le vlog aussi? Là tu dis, hey, mais il y a le vlog aussi. Hein. Mais c'est moi qui parle ou c'est toi? Mais oui, c'est toi qui parle. Mais non, parce qu'il a dit au début que c'était lui qui parlait. Et moi je dis quoi? La chaîne est à toi, tu clôtures quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais là la caméra elle reste large, du coup je reste que dans le large. Waouh, énorme ce best-of. Allez, lâche un like. Et il y a le bloc qui est sorti aussi, hein. Lâche un like, abonnez-vous. Au revoir. Ok, GG. Waouh, les acteurs! Ah, les acteurs 2.0. T'as les crampés ou pas? Tu les as ou pas? Les crampés. Dis à Pagnan. Quoi coupé? Moi j'ai pas les crampés. J'ai pas. Ouais, en plus. Il fait comme ça là. Mais ça va pas bien. Eh, hein. Vous voulez voir l'écran pété, c'est quoi? C'est ça l'écran pété. Ah, il a explosé là. En grâce au montage, mon écran il est explosé là. Vas-y, track comme il faut. Oh, la flemme. Non, mais il y a un jingle à faire. Surtout, Elise, on a jamais fait quoi. Oui, on a jamais fait. Non, mais sinon, elle peut jongler. Montage de fin, puis tu dézooms. Genre, moi je débarque et je prends le ballon, tu vois. En gros, je vais faire le montage de fin du best-of. Il est où le ballon? Papa, je peux jouer avec la voiture qui fait fou. Mais pourquoi il fait ça? C'est bon, on y va, Alex. Oui. T'es prêt? Oui. Le montage de fin du best-of. Vous en avez fait une? Le montage de fin du best-of. Bon les potes, parlons un peu plus de travail. Je vous pose sur la table basse. Ce soir, il y a une activité où ils vont faire du drone. Et en gros, ils vont faire voler le drone ici dans l'open space. Et ils vont devoir trouver des petites cartes avec des mots. Plein de cartes que je vais poser un peu partout dans l'open space, que je vais cacher. Et du coup, eux, depuis les studios d'en bas, vont faire voler le drone ici. Et il va falloir que du coup, tous ensemble, là, les 5, ils puissent chercher, trouver les petites cartes, les petits mots. Et du coup, là, j'ai reçu le drone. On va essayer de le faire voler, essayer de le faire fonctionner. On va voir un peu ce que ça donne. Le vent que ça fait. Wow. Oh, c'est non, non, mais casse-toi. Ouais, je t'ai vu là. Et il me fait trop peur, hein. J'ai peur. Incroyable. Ok Alex, qu'est-ce qui se passe? Ça y est les gars, le lancement approche. On est en train de remplir nos beaux petits tumblers avec de la bonne Red Bull, sans sucre pour Corentin bien entendu. Et ce qui est super drôle, c'est qu'il y a pile poil pas assez pour remplir le tumbler. Du coup, il reste une petite gorgée à prendre à la fin et j'y vais. J'avoue que c'est vachement drôle ça. La petite taxe. Mais ouais, du coup la soirée arrive, là on est en train de finaliser la Pierre-Louis. On était en train de nettoyer un peu tout et de remplir les tumblers. Comme ça en bas, ils ont de la bonne Red Bull bien fraîche ou de l'eau pour ceux qui préfèrent bien entendu. Et puis voilà. La petite blague, c'était on les nettoie, on les frotte pour qui luise autant que son crâne. Ça c'est très moderne, c'est en plein dans le mille. Waouh, ça tire gratuitement. Allez, lâche la cam. Alors là les mecs, c'est incroyable ce qui se passe, il va descendre des escaliers Alex. J'ai demandé à Andreas s'il pouvait un peu filmer parce que du coup moi j'ai pas trop le temps vu que je dois gérer un peu tout le reste. Du coup c'est vrai qu'il y a pas grand chose à filmer là. Non, mais t'inquiète, en bas c'est fourni en bas. T'as montré les décors avant? Pas du tout. Là j'en suis très fier. C'est une dinguerie. Est-ce que vous reconnaissez les locaux les gars? Perso moi non. Je pense que quand le live va se lancer, on ne reconnaît pas qu'on est ici. Hein. De ouf. C'est impossible. Du coup ici, ça va être un peu le côté vestiaire où ils vont un peu discuter. C'est vraiment très très joli. Putain, je suis impressionné par le décor. Ça fait 4 heures que je suis dedans, mais à chaque fois que je le regarde, je suis en mode c'est vraiment super stylé. Vous l'avez compris, hein, ça c'est pas nous la déco, c'est des gens qui sont venus, qu'on a payé pour faire la déco. Même toi, t'es là depuis ce matin. Ouais, je suis là depuis 8h du mat, gros. 19h20, j'ai envie de mourir vivement que le live se termine, que j'aille dormir. Du coup, ici, le vestiaire où ils vont pouvoir discuter, etc., faire l'intro, faire les entre-deux-jeux, parce qu'en fait, ils vont faire un peu de discussion, un peu de Rainbow Six, un peu de mini-jeu avec le sniper, le drone que vous avez vu. Ici, on a du coup tout ce qui est plateau-jeu, donc avec la petite cible parce qu'ils vont jouer au sniper ce soir que vous connaissez un peu dans les outplays. Et voilà, 5 setups tout simplement. Sur la soirée, le déroulé, etc. C'est super important. Ils savent pas forcément tous les jeux que nous on a en tête. Donc il faut bien leur communiquer. C'est ce qu'elle fait actuellement. Non, il y a une caméra sur le drone. Vous conduisez du coup le drone et vous devez repérer des mots qui sont placés dans l'open space un peu à droite à gauche. Mais qui sait conduire un drone ici?
J'en ai aucune idée. Attends, quand tu dis un drone, on le fait pas sortir de la pièce. Il est cuit le drone. Combien le drone pour savoir La caution c'est 1500 balles. Ok, je pilote pas. Wow. C'est la truc que j'ai même pas vu. Eh bah ouais, elles se font bien dans le décor là. Du coup, c'est la nouvelle chaise Carsus. Et t'as vu, c'est un peu texturé. Quand je suis arrivé, je l'ai même pas vu. Fraîche, hein. Elle est pas mal, hein. C'est stylé. Non, c'est cool, la rend bien. Ouais, parce que maintenant quand je regarde celle-ci, elle fait cheap. Mais c'est vrai. Elle fait quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que maintenant celle-ci, elle fait cheap. Bah, ça fait plus coloré, ça fait plus enfant un peu, mais. Bah, l'autre fait plus adulte, ouais. Tu peux la mettre plus facilement dans ton salon que celle-ci, quoi. Ouais, je peux en avoir une chez moi. Les gars, c'est validé le modèle. Petit tuto drone. Tu fais quoi, mec? Je mets déjà le casque. Non, je rigole. Voilà. Bon, si jamais je peux pas faire tuto d'autres personnes, tu seras la référence. Hein. Ils sont mal barrés. Ok, les mecs, ça va lancer dans pas longtemps, les mecs. Hyper fier, Gotha, t'as quasiment pas de blanc sur toi aussi, je suis subjugué. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, merde, on a oublié cette règle, les gars. Mec, on fait exprès toujours de mettre du blanc pour bien que ce soit tilt. Oh, je suis pas tilt, tu vois. Juste, du coup, vous êtes soit pas éclairé, soit ça éblouit des gens. Vas-y, dis-nous tout là, qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Je suis en retard pour le vlog. Aïe. Bah écoute, profite, hein. Ça va? Il y a plein de belles émissions, c'est cool. Cherche un truc. Trouve une chute. Ah, il y a le vlog de Diablo X9 qui est déjà sorti et j'ai trop kiffé le faire. Tu continues à parler de Diablo X9 et puis là il vit encore dans tes esprits, quoi. Mais parce qu'en vrai il a bien marché, tu vois, avec le petit prank de Steph que tout le monde a bien vu, je crois. C'est un bête de vlog, tu vois. C'était un de mes préférés en vrai. Ouais, il était cool. Et moi je me suis un petit peu permis une petite séquence émotion, j'ai kiffé la faire. Les gens ont kiffé d'ailleurs. Ouais, bah tant mieux. Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais quel pied ! Ah, quel pied ! Trop bien. Et voilà, c'était cool, hein. Bon, t'es hype par le live de ce soir ? Ouais, il y a un beau casting quand même, hein. Bah, j'ai mon petit frère qui joue de ouf à Rainbow, du coup ça va être cool. C'est vrai ? Cool, ouais, par contre. Que ce jeu, c'est un banger. Moi, j'aime trop. Parce... De toi, je sais que t'es moins recherché d'action. Oui, moi, c'est pas mon truc. Mais moi, je suis comme un fou sur ce style de jeu. Vraiment, tu dois prendre le temps et tout. C'est vachement stratégique, tu vois. Ça qui est cool en tant qu'FPS. Bon, bah, on va lancer, je pense, là. Je vais bégayer. Ah, bah, ça commence. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Gotaga TV. On est très bien accompagné aujourd'hui. On va faire du Rainbow Six, mais pas que. Vous la voyez déjà, elle est à côté de moi, elle commence à rigoler. Elle a déjà mangé, ne m'en faites pas. Elle a déjà bien mangé. On est accompagné de notre team leader. À quoi ça commence directement, ça rigole. Parce que t'as un peu la place du Dwag aujourd'hui. Ouais, tu vas être notre Dwag ce soir. Ça fait depuis 7-8 ans que je joue à Rainbow Six. J'ai jamais percé dans l'e-sport, mais je connais un peu le jeu. Comme Dwag pour l'instant. T'as ton arme de poing. J'ai toujours au moins deux armes. Ton arme principale et ton arme secondaire, à peu près comme dans les jeux vidéo. Imagine que tu fais mal. Et qu'est-ce qui nous a fait, Gotha? Je crois qu'on vient de se crasher. Houston? En fait, il y avait la porte. Bon, du coup, c'est l'heure de l'activité drone. Ça y est, on est en train de se casser la gueule. Il s'est encore cassé la gueule. Il y a juste la cam qui galère là. Ça va, Yann? A few moments later. Bon, les gars, ça a pas trop marché. Ils ont bien vu quelques spots, mais après, ils ont galéré à piloter le drone à distance. Voilà, c'est une catastrophe. Bonjour. Gotaga. Elise. Tu vas jouer au sniper pour clôturer la soirée. Oh, je tremble trop, c'est horrible. Visualise la trajectoire. Arrête. Toi, t'es raté, putain. En plein TikTok de merde. En plein dans le buffet. Ah ouais? Ouais. Waouh! C'est le meilleur tir actuellement pour l'instant. C'est vrai? Il est en plein dans le 0 du 50. Voilà. Ah, mais c'est trop bien. C'est la meilleure activité du monde. Après, si tu veux, tu pourras continuer de tirer là après. Ah, mais moi, et gros, on reste mal ce soir, gros. Non, mais nous, on vous fait plein de bisous. On vous dit, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à la prochaine. Des bisous. Bisous, ciao, ciao. Bon, parlons français. Demain, on a une prod. Donc là, on doit déblayer tout ça. Oui. Tu peux te battre sur ma montre tellement elle est fatiguée. Mon billet. Les minuit, on doit tout débarrasser parce qu'on s'est rendu compte que demain on avait une prod. On s'en est rendu compte en plein live, bien entendu, parce qu'on est juste complètement dédé. L'envie de mourir. Voilà. Moi j'ai vraiment pris le pire gadget de tous les temps. Qu'est-ce que tu fais, chou? Bon voilà, ça y est, on a terminé, voilà, on a réinstallé. Putain, on est quand même des cracks, gros, on a mis combien de temps? Ils sont crazy, à l'over, vous avez la ref ou pas? Ah non, t'es malade de faire ça. Là, tu t'es créé une intro dans les vlogs, là. Non. Là, tu t'es créé ton intro. Déjà, tu t'es créé une intro. De deux, le mec, il ouvre des portes pour un multiverse décor, Pasteur Si, ça va pas? Non, c'est bon, moi, je veux rentrer chez moi. J'ai sommeil, regardez mes yeux, on dirait que j'étais au GP Explorer deux fois. Bravo, Alex. Et bon courage pour demain. En vrai, il a fait une grosse semaine, le pépère, donc voilà. Bah non, c'est vrai. Bravo à tout le monde, là. Ouais, bravo à nous. Et merci, les garçons, pour votre aide.
C'est nous les garçons. Merci. Bisous, on dit. C'est ciao. Yo la team, ça va ou quoi? J'espère que je vous ai pas trop manqué pendant la soirée R6, j'étais encore en congé. Du coup, vous avez vu, il y avait un super décor en bas. Il faut démonter. J'ai pas filmé, mais les équipes de décor qui sont venues, ils ont tout viré. Et là, il reste des trucs, ouais, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il reste des trucs qui étaient prévus, comme c'est des trucs sur mesure qu'ils ont fait pour nous. Ils ont aucun intérêt à les récupérer, ça leur prend du stockage. Du coup, j'ai besoin de bras. Yann. Du coup, Andreas, Yann, et... merci un peu de volonté. Andreas, bon, il n'y a pas de volonté, mais merci quand même. Evan, Yann, vous êtes dispo? Non. Bon, on va y aller, nous. Let's go! Allez, les gars, un peu d'envie. Non, mais on le fait vite fait parce que c'est lourd et comme ça, c'est rapide. Après, on a fini. Moi, je trouve que c'est trop facile. Tu prends la cam. Je trouve que c'est trop facile. Je pense que c'est pas à toi de tenir la cam. Oh yes. Yo le vlog. J'ai l'immunité. Là, je suis content. Là. Eh, c'est bon. Vas-y, ça me va, ça me va. Oh, j'ai une crampe de Allez. Fou. Vas-y, Evan, descend, mon gars. Ouais, bah oui, tu viens. Ah, j'ai une crampe de fou. Elise, t'as besoin que je vienne? Dis non. C'est parti. Bon, les gars, du coup, on va ranger ça. C'est Ubisoft qui va venir les chercher. Donc, on va les prendre à deux. Ça pèse une tonne. Oh. Ça me fait penser à quoi? À quoi? Tu sais les trucs de batting center là au Japon de baseball où le mec il est là, il lance la balle et après il se cache derrière comme ça. Mais on fera ça au Japon pas? On y va deux fois, je crois. Voilà, merci. J'étais trop fort, ça fait genre 100 km/h. Le Japon. Non mais les gars, ça se fait pas. Là, ça se fait pas. Genre, vous parlez du Japon et tout, vous savez très bien que je viens pas. C'est insupportable. Vous me respectez pas là? Ça se fait pas, vous me prenez pour une merde. Andreas, comme je t'ai expliqué, le Japon, c'est pas grave. Il y a le sol élastique, il y a des trucs. Non, mais non, ça se fait pas de ouf. Tu manques de respect là. Tu manques de respect. Calme-toi. Tu manques de Viens là. Le montage, là, je suis en ouf. Là, je suis en ouf. Toi aussi là, toi, viens par là, toi. Bouge-toi. Elise, c'est parti en couille en bas. Andreas, il est devenu fou, il y a une prise d'otage. Il faut qu'on renfile les crampetés. À Pagne. Moi aussi, je veux y aller au Japon, vous avez pas pensé? Non, faites que me narguer tout le temps là. Mais personne me nique mon plaisir moi. Je vais venir moi. Tu peux encore tout arrêter. Mais ta gueule toi, je suis du patron là. Masterclassian, tu crois on me voit pas dans les commentaires tout le temps? C'est vrai, tu casses les couilles un peu. Là, il a dit que j'avais raison. Moi aussi, je vais me baigner tout nu avec Otaga, vous avez pas pensé à ça? En position, Boubou. Copy ball. Tu vois la cible? Yes. J'attends tes indications. 12 degrés nord. Nickel. Sûr? Je suis dessus là, hein. 12 degrés nord, tu m'as dit, hein. Go. Wesh, il s'est passé quoi là? Let's go. Oh, qu'est-ce que tu fais toi? Il s'est passé quoi? Oh les bâtards, ils ont fumé Flop Simoké. Oh, il est tombé. Je crois que je l'ai eu. C'est bon, cible abattue. Je confirme, cible abattue. Boubou. Bien joué. Viens, on vérifie qu'ils sont tous morts, non? Moi je l'ai vu tomber, hein. Ouais, attends. Oui, je l'ai vu tomber. Ouais, viens, vas-y, tiens, prends ça, vérifie, c'est... T'inquiète, comme ça on est 100% voilà. Safe. T'es sûr? Ouais, vas-y. Attends. Je l'en... Sûr? Ouais, 13 degrés nord maintenant. Ok. Oh, je crois qu'on l'a eu, Boubou. Let's go. Oh, let's go. Personne ne leur a demandé, mais ils sont de retour. Le duo de négociateurs Boubou et Bol sont activement recherchés par les autorités. Yo la team, on va filmer le montage de fin. Et je me réjouis d'avance parce que Alex va devoir être déguisé. Mon pépé, est-ce que c'est bon? Il m'a encore mis dans un bourbier, ce bâtard. Je vais encore me faire tracher. Les gens vont dire... Il est trop gênant. Il avait raison. Alors pourquoi il est déguisé en bébé? Parce qu'à un moment, Coco montre la baby cam. Et il y a personne dans la baby cam. C'est pour ça qu'il le montre. Mais du coup, on va en profiter pour intégrer Alex. Qui vous dira sûrement de vous abonner et de mettre un like. Comme sur ce vlog, par exemple. Oh, très bon. Vous connaissez le chemin. Ah, allez. Ah, je me mets en couche. Tu peux croquer ça ou pas? Du coup, il faut que tu sois comme si t'étais adossé au landau. T'es au fond du landau, comme ça, tu fais des bruits de... Pas des bruits de bébé, quoi. Tu craches le truc, et du coup, ça se met là contre toi. Et c'est là que tu fais la phrase de fin, en gros, qui clôturera le best-of. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, là? C'est le montage de fin. C'est vraiment pas ce que tu crois. Si, c'est vraiment ce que tu crois. C'est le montage de fin des best-of. Dieu merci, c'est toi qui l'appelle pour les trucs comme ça, et pas moi. Je lui ai dit, c'est toujours moi dans ces bourbiers, là. Qu'après, j'ai envie de dire, non. Ok, le plan, il est pas trop mal. Non, garde les jambes près de toi, ou alors je me relève. Là comme ça c'est bien. Là c'est parfait là. Papa Gotaga. C'est trop drôle. Papa je fais caca. Ça c'est game changer. Vous voyez à quoi ressemble un peu son lit. Hop, regardez ce lit. Hop. Papa Gotaga. Papa. Abonne-toi.
Ça, c'est du montage de fin, ça. Une note sur 20 sur le montage de fin. 3. Non, en vrai, envoyez du love à Alex parce que c'est toujours lui qui se met dans les bourbiers. Alors que ça vous fait bien rire, vous êtes là. C'était trop cringe. Alors qu'il vous fait trop rire, on le sait tous. Déjà, personne ne me demande si ça va. Voilà, c'est bon, c'est bon. Regardez-moi cette chevelure en plus. On fait quoi pour le jingle? Oui, j'avoue, jingle. En gros, tu fais genre, tu vas mettre une mine dans la balle blanche, là, tu sais, avec la queue. Et sauf que tu tires au-dessus, c'est pas exprès, et après tu restes. Faut que je vraiment rate mon coup, quoi. Le montage de fin. Là, après du fin, tu tapes. D'accord. Et après, je fais du best of. Le montage de fin. Voilà, t'as bien réussi, là. Genre, fais comme si tu mettais un gros coup au-dessus, tu vois. C'est que celle-là, elle tient mieux. Allez, vas-y. Oh, en vrai, c'est pas mal ça. Attends, vas-y, on fait ça. Tu te prépares à fond, wow. Genre t'es méga concentré. Ah, c'est plus drôle. Faut rogner, les gars. Le montage de fin. Et après le montage de fin, tu passes. Tu tapes ça, vas-y. Vas-y, vite, vite. En fait, comment ça a marché là-bas, quoi. Le montage de fin. Du best of. Nickel, merci, les gars. Bon, la team, il y a Andreas qui a foutu le bordel sur le bureau de Pierre-Louis. Du coup, pour se venger, Pierre-Louis a fait la même. Et du coup, on va faire croire à Pierre-Louis, du coup, qu'il a niqué toute la timeline du vlog de samedi. Du coup, il peut pas avoir de vlog. Donc, je pose la cam dès qu'il arrive. Attends, mais vous savez où j'ai foutu le câble de mon casque ou pas? Non, mais là ça me prie parce que j'ai envie de bosser, faut pas. Tu cherches quoi? Juste le câble du casque. C'est juste ça. Ah, ça c'est à moi ça. J'ai envie que la vanne se finisse et que je puisse se venger. Ah ouais, je pense que j'appelle Elise. Hein. Ouais. Est-ce que le vlog il est cassé? Je sais pas si c'est passé, mais. Tu viens de tout supprimer, bon. Non. Là, j'ai non, mais t'as rien touché, toi, c'est pas toi. J'ai pas touché les. T'as pas touché le clavier. J'ai pas touché les commandes. Parce que même là, il y a plus rien. Genre là, tout s'est supprimé parce que. Genre là, c'est le vlog normal. J'ai tout lundi qui est plus lent. Moi, j'ai pas touché les touches, quoi, tu vois. Ah putain de merde, ça me casse. Je crois qu'il va falloir qu'on bosse sur la V1. Putain, le vlog sort demain en plus. Tu peux pas récupérer genre les sauvegardes auto là? Non, mais je suis sur une sauvegarde auto. En fait, tous les sauvegardes auto ça les a corrompus. Ah, mais c'est pas quand tu défais ça. Ah, mais oui, ça a tout pété là encore. Ça appuie sur G6. Putain, et je suppose que t'as fermé réouvert donc tu peux même plus faire CTRL Z. Moi je sais que j'avais mon clavier, c'est ce problème aussi. Et tu l'as pas débranché ça? Tu l'as pas démonté? Non, j'ai le tout en plastique là. Ouais, tu l'as démonté? Oui. Et ça a appuyé sur G6 et ça a tout niqué. Non. Mais t'as fait attention quand tu l'as démonté? Oui. Ça va. C'est drôle, frère, c'est trop tard. Non, mais c'est nerveux comment il rigole. Là tu peux me démarrer physiquement du coup. Les gars, franchement, vous faites des vagues là, vous emmerdez. C'est pas drôle, Andréas. Bah non, du coup, c'est pas. Non, mais c'est nerveux, c'est un peu. Trop de la peine de comment ils rigolent. Ah, vous emmerdez, vous faites des vannes et tout là. La V1, si tu prends l'export, c'est bon, non? Ouais, je sais, si tu peux plus faire de motifs, tu peux rien faire. Bon, c'est bon, stop, c'est bon. C'est vrai? Comment ça, c'est bon? Mais moi, on y va juste avec moi. On y va juste comme ça. Je me fous chialer, frère. Par contre, tu sais que. Il est là, j'avais lancé le réel. Je me sentais trop mal. Mais pourquoi? Parce que je voyais ces notifs et ça me faisait exploser. En vrai de vrai. Mais pourquoi le truc de G6 retourne incroyable. Ce qui a été violent pour moi, c'est qu'il y a eu un cut entre je reviens d'acheter ma bouffe, j'étais là avec Ariana Grande en mode non, et d'un coup on me dit tu viens de baiser une semaine de travail. Et du coup j'ai pas eu le temps de penser à un prank ou quoi parce que je lui ai fait de la merde. Mais oui, mais je me sentais. Vous avez trop bien joué. Mais parce que c'était vraiment. Parce que j'y croyais trop en fait. Oscar en fait. Mais du coup genre en vrai c'est une belle leçon. J'ai envie de dire. Mais maintenant vous arrêtez de vous embêter. Morale de l'histoire. Faut arrêter d'embêter ses collègues. C'est ma zone. Ouais la team. Gentlemates. Quoi? Voilà, c'est ça le programme de cet après-midi. Et ça on fait peut enfin en parler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des plans voiture. Oui. Ça va ou quoi la team? Vous l'avez vu, revu. Pour vous on est en retard, ça fait déjà une semaine que ça y s'est annoncé. SBG devient Gentlemates, l'équipe de Gotaga, Brox et Squeezie. La structure carrément. La structure e-sport. Oula, putain, pardon. T'as les suspensions, falloir les retravailler. Ouais, hein. Grâce à vous. J'ai pas d'argent, malheureusement. Et c'est quoi, c'est une montre Rolex ça? Ouais, regarde, hop. C'est la Rolex Invisible Edition. Ce soir, c'est la grosse soirée d'annonce, même si ça a été annoncé hier avec le super trailer qu'on vous met juste là, vite fait. Aujourd'hui, c'est à moi d'être derrière eux. Je veux trouver les grandes demain et les aider à conquérir le monde. Gentlemate. Du coup là ce soir c'est la grosse soirée où il va y avoir un peu des affrontements, présentation de l'équipe en IRL, on va aussi parler du roster Fortnite qui débarque et tout. Dans les vlogs, peut-être ça vous surprend complètement parce qu'on en a jamais parlé, bah c'était des trucs un peu secrets forcément, donc nous on n'a rien pu filmer. Mais il y a eu plein de bootcamps qui se sont passés dans les locaux, etc. Les joueurs ils sont déjà venus plusieurs fois, il y a déjà quelques séquences qu'on a dû cut parce qu'il y avait les joueurs en fond et tout ça. On n'a pas de bêtisier comme quand il y avait Camille qui était enceinte, mais en tout cas voilà ça s'est passé comme ça. Et du coup ce soir, grosse soirée, grosse annonce, on y va avec
avec Steph parce que Steph est le live prod de ce soir. On rejoint Élise qui est déjà là-bas. Qui gère un petit peu tout le live de ce soir. Okay. Et moi du coup qui suis là pour mettre des bâtons dans les roues pour tout le monde comme d'habitude. C'est parti. On est dans la voiture de Steph. Ça sent très bon dans sa voiture. Merci mon ref. Voilà. Et voilà le travail. Donc là avec Steph on s'est donné, on a fait les canapes. Ah Steph, tu viens là. Tu viens leur dire à quel point on a bossé sur l'installation des canapes, etc. C'était chaud, hein. On a ramené les canapes à pied de nos locaux. C'est plaisir chaud. D'avoir cette petite équipe de bras cassés que nous sommes. Des logos et même l'equalizer. Steph encore malade. Voilà. Bon les gars, les joueurs sont arrivés. Regardez-moi cette top. Comme il est gaucher, regarde où il joue avec sa main droite. Attends, t'es en train de me dire qu'il a besoin de train pour tabasser Gotaga Squeezie. En fait, quand je vois ta case, je viens de me rendre compte que ça se trouve, je suis gaucher. C'est pour ça que je suis nul de la droite. Ah, c'est pour ça. Ce soir, je joue. Je veux pas faire le XI, mais je suis passé de hors 2 à Silver 2 en moins de 3 semaines. Ce soir, c'est quoi le programme un peu? Ce soir, c'est petit show match, présentation des joueurs et petit show match avec les fondateurs et le coach et l'analyste. Et du coup, ils vont affronter les 5 loulous qui sont là. Du coup, eux, pour les nerfs, ils vont être au ghost. Mais alerte spoiler, ils vont quand même exploser les gars, même au ghost. Tu penses? Donc, même Gotha, il est emo quand même. Hein. J'ai pas fait ce que je viens de faire là, naturellement. Non, mais bien sûr qu'il est emo, hein, le frérot, bien c'est sûr. Chaud. Non, je pense qu'ils ont aucune chance. Que je me rappelle de Mel au shérif contre moi. Bon, moi je débutais, il y avait rien à voir. Même au bout d'un an, je me rends compte que je débute encore. Mais je pense qu'ils ont aucune chance. Il y a la Ten Stack. Corentin, il veut pas que ça s'appelle Ten Stack, mais ça va s'appeler Ten Stack. Explique-le au commentaire. On va y dire si ça s'appelle Ten Stack. Oui. Ça s'appellera pas Ten Stack. Regardez, c'est tryharder. Dites à quel point l'écran il est proche. Comme Ted, c'est la taille du bureau, la longueur de l'écran. Veyaz, il a signé, il sera amené avec un mètre et tout. J'avoue, ça t'a envoyé des sales conditions. Mais oui, toi, c'est un négatif, mais ça va, c'est juste. Voilà. T'as un demi-bureau, ta chaise elle est 10 cm dans le coin. Il doit jouer à ce comme les bras tendus. Ouais, mais regarde comment je suis mis, gros. Aïe, aïe, aïe. Ta casse, t'es filmé là, fais des kills un peu. Ah. Ok, je focus. Nice. C'est bon, tu les as. Let's go. C'est ce soir l'important, c'est ce qui compte, c'est ce soir. Steph, c'est quoi ta place ce soir, toi? Moi, c'est en régie, à côté du Real. Ah, je croyais que t'étais là et que tu jouais au Ghost. Eh ben non. Ah, Steph, il joue pas ce soir au Ghost? Non, il est live prod. Ah, c'est pas son niveau ce soir. Des gros nulos, c'est trop bas. Faut attendre qu'Elise aille mieux du doigt, là. On a dit que ça s'appelait pas Ten Stack, Steph. On va être deux live prod ce soir, il y a un monde où on se prend la tête. Oh. Non, 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 c'est toi, t'as la décision sur tout, moi je dis go. Impatient d'avoir cette première dispute en vlog. Première dispute. En vlog, oui. On a passé plus. Mais vous avez entendu. J'ai failli monter en l'air tout à l'heure parce qu'il a dit que le décor c'était ok. Genre, je dirais c'est ok. Oui, c'est vrai. Il m'a dit, ouais, c'est. Franchement, c'est pas non plus de la déco de ouf. Vas-y, bah ça tombe bien, lance-moi les plans de coupe sur le décor là. Je te lance les plans de coupe sur le décor. Il est trop frais. Moi les gars, je suis trop hype pour ce soir. Ça va être une dinguerie de voir des vrais joueurs pros, de voir Corentin Imo 1 slash ascendant se faire démolir au ghost par des joueurs pros. Ça va être quelque chose. Le vent le plus long de la journée. Ça va ? Ça va, ça va, hein. Le setup est en place. Oh my god. Il y a du monstre là. Ouais. Oh là 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 là. Ah, ah. Et il rattrape. Non, il s'est toujours bien rattrapé, Brox. Ouais. Toujours, toujours. Je gère tous les checks. En regardant de base ouais. du mec, ouais. c'est exactement le mec. Quel le check, check là. Ouais. Ah ouais, tu crois? Quel check il va me faire à moi? Toi, je te fais un câlin. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'as vu, t'as vu. Il est chaud, bâtard. À chaque fois que je suis avec lui, machin, etc., il va y avoir deux personnes différentes, il va les checker différemment, mais c'est parfaitement. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Par rapport au premier déplacement de leur main, il sait. Oh, il donne la strat. Félicitations. Pour le point, t'as le droit de le dire ce que je veux dire. En général, les Renois, c'est hop. Ça ouais, ça attrape comme ça. Ok. Okay. Et ça, c'est le check carry. En fait, c'est le check américain. Ça va ? Stylé. Très stylé. Hein ? Comment elle va, Cam Cam ? Ça va et toi ? Bah, ça va. Cam, elle est pas comme moi, elle est pas noire. Mais je peux pas le dire. Non, tu vois. Et okay. Après, tu fais pas le petit. Ça dépend. Par exemple, avec Prime, on fait. Ouais, je Ok. Tu te souviens à l'époque où on faisait genre on se claquait comme ça, tu te souviens? On se prenait nos doigts entre nous pour claquer. Claquer avec chacun. Mais c'est trop fort. Oui, c'était à la mode non? Pourquoi on faisait ça? C'était un autre mode. Parce que nous on suit pas à la mode, on crée à la mode. Ouais, ça, la différence. C'était quoi il y a 20 ans? Tu sais le son là, possible, le son du jeu, le fameux son du jeu avec Dude Died. Il m'a tué. Une balle. Bah sinon tu prends l'oreillette aussi pour parler avec la régie. On va voir si c'est possible, je sais pas si c'est possible. Le chat ici, vous avez le retour et vous avez les iPads. Un sur YouTube, un sur Twitch. Pour l'autre côté, vous gardez les iPads et on va faire installer un retour. Quand t'es sur la partie gaming, tu pourras parler au retour régie avec le Dante. Ah ok, bon, ok, parce que ici t'en veux pas pour parler, ça va faire bizarre. Non, 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 ici c'est ok. On a ce grand canapé pour nous trois au début.
Une fois que le trailer il est fini, c'est plan serré sur vous trois, c'est début de live, c'est comme ça. Viens voir tes joueurs. Tu l'as vu sur votre Insta ou pas? Non. C'est un bug. Oh non. Vas-y, fais voir. Là, il met ça, tu vois, et là, ouais. Tu swap, regarde. C'est un peu c'est pas moi les amis, je vous le jure. Mais tu ne fais aucun effort. C'est pas moi, je vous le jure, c'est pas moi. Pour ça, t'as la photo comme ça de base, après faut que tu la recadres. Non mais je l'ai recadré. Oui. On voit comment la tête. Mais t'as pas supprimé Bah en fait j'ai vu ça une heure après et j'ai vu 1200 likes, du coup j'ai la flemme. Oui, donc tu postes et après tu pars direct sur autre chose quoi. Faut leur apprendre Coco, faut leur apprendre. Eh, t'es pas là pour faire de l'insta de toute façon. T'es là pour cliquer. Mais voilà, que pour déchirer Coco là, c'est à l'heure là. Aïe aïe aïe. Tu penses qu'il va gagner ou pas? Il va vous fumer en vrai. Je pense pas qu'on puisse gagner, mais je pense que je vais être en positif comme toi. Plus 10. Non, positif. Ah. Coco, j'étais rarement vu te faire manquer de respect comme ça. Ah, lui, c'est le pire. Limite, je viens vous coacher. Oh, bien. Je veux pas qu'il gagne. Mais t'as le droit à l'ulti ou pas sur Jet? Oui. Ah, c'est pour ça que t'es confiant. Ah, j'ai attendu, tu fais quoi? On a le gros spell. Ouais. Bah, c'est bon, on va gagner. Il joue beaucoup quand même. Hein. Ah, mais même, il va tout seul. Les 5 pros quand même. Avec 5. Ah, mais au ghost, frérot. C'est... Mais Gotha, il commence à se dire, il y a une paire. En plus, je le sais parce que je joue plus trop en ce moment. J'ai le démon. Yann. Elle t'a cassé. Ça va quoi? Son pro. Tranquille. Et la théorie, elle, c'est bon. Qu'est-ce que ta théorie? Ah, gros, je t'ai dit. T'es chaud. C'est la théorie. T'inquiète. Tu verras au vlog. T'es ascendant par contre pour le coup. Ouais, je suis ascendant là. Qui est meilleur entre vous deux? Cool. Tu laisses pas faire là. Non, mais c'est le chi, faut pas. C'est vrai. Là, ils sont trop confiants, mais pour moi, au gosse, ils gagnent pas. Vraiment, qu'ils jouent très sérieux, qu'ils soient synchronisés. En attaque, ils se synchronisent alors, mais en défense, frérot, tu prends un rush de 5. Je suis ta casse. Je vais pas mettre mes stunners là. Moi, je suis que le petit. C'est où sa place à Cam Cam du coup? Sam, s'il a un problème, ça fait 15 fois qu'il fait la même blague. À chaque fois, je suis là, de quoi il parle. Regarde l'Ormanodou là-bas qui plonge. Ouais, <d'où> il va dans tout, Brox. Oh, la team de fou quoi. Parce que je suis plus grand que Squeezie. Et Steph. C'est incroyable. Ok, on va regarder, il mesure combien Squeezie à votre avis? Pronostic? 1m73. Non. Plus? Moins. Coco, il fait 1m72. Ah. Par rapport à Coco, il fait quelle taille? T'es plus grand que Lucas? J'ai sa taille. T'as vu? 1,69. J'ai dit 73 moi. 1,69. Putain, elle est chaude. Bravo, Cam. Mais si, il fait 1,69? Ouais. Non. Oh, mais il est pas si petit. Il a les hormones de croissance et tout. Ah ouais. Ça va, il va être rouleau, ouais, super. Là, tu vas où? 1m69, les bâtards, ils m'ont même pas laissé le 70. C'est la même tête que Messi. Ouais, mais lui, il a une sorte de croissance. Ouais. C'est exactement ce qu'il a dit. Non. La même discussion. Une cohésion totale des membres. Ok, mais maintenant, c'est marrant. Mec, trop pas, j'étais là-bas, je suis en train de faire un, préparer un post Insta pour ta structure. Ma structure? Ta structure. Ah. Donc, on lance pas le début, il a dit Coco. T'as vu tout le script que tu dois dire? Toi, tu l'as lu? Ouais, bien sûr. Là, sache que Corentin a pris personnellement ce qui s'est passé avec ta casse qu'on a eu en vlog juste avant. Et du coup, là, il traîne vraiment. Ah ouais. Il a qu'une envie, c'est le déchirer. On peut lancer le wait-in ou pas? Au pire, tu mets. Bah, on m'a dit 45. Tu mets. Il est tendu, ce garçon. Ouais. Il est chaud. Il faut supporter là, la G-Corp. C'est dur. Ouais. Tu veux qu'on lance maintenant? Nerveux, ouais, dis-moi, on lance le plus proche possible. Pour que les gens stack quoi. Ok, go. Et le timer, on le met pour. Dis-moi, tu veux combien de minutes? C'est modifiable. Oh, j'aime trop ça. En vrai, 20 heures, ça va, mais je sais pas à quel point on est prêt. Vas-y, Coco, dis les termes. Il faut les équiper, etc. À quel point on est prêt, on n'est pas prêt? Attends. Ah non, voilà. Quel point on est prêt, on n'est pas prêt, il a dit Steph. Faut équiper tous les gars et tout, donc ouais. Un petit peu de temps. Et j'aime bien Coco, il a le bracelet. Tu l'as pas enlevé, hein? Ouais, bah j'enlève quand je joue, quoi. Oui, je trouve. Ouais, quand je joue, quand je regarde le best-of et qu'il y a tes vannes aussi, je l'enlève. C'est ça. Le vlog, ouais. Il est où, Sam? J'ai besoin du visuel. On peut avoir un chat ou pas? Tablette. C'est enregistré. Non, les gars, c'est un peu la pression. Là. Ouais. Ça va le faire. Forcément, Coco, il est un peu stressé. Là, c'est un gros projet pour lui. Je suis en pleine déformation professionnelle. Ouais, là, tu devrais arrêter d'aider. Bah oui, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je mette la main à la pâte. Tu es en congé de maternité. Eh comme... oui. Oui, mais là, j'ai pas le petit. Là, tout de suite. Tiens. Ok, moi, je suis good. Je dois faire quoi là? Juste tu te fais équiper le micro. Okay. Ça devrait être bien. On va voir ce qui se passe hein, sur YouTube. J'ai jamais live YouTube. À la fin des 2 minutes, il y a le teaser de 1 minute. Et après, c'est plan serré sur vous 3, ok? Moi je te dis, moi je pense qu'on y va en mode. On y va en mode YOLO. Hein. En mode YOLO, je pense qu'on. En fait, vu qu'on a écrit hier ce qu'on voulait faire, je pense qu'on a fait le plan tête. Ok les gars, juste avant la vidéo, vas-y, je fais ma story en mode le live commence. Ouais. Coco, bro, tu fais un petit bail. Tout commence ici. Je suis un enfant espiègle. Très casualité. Gars, je t'ai dit, c'est toi. C'est toi, c'est. Ok. Oh la pression. Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors désolé, on est dans le rush. J'ai envie de te dire depuis 3 mois. Ouais. Un peu depuis 3 mois, depuis que ça a leak, etc. De toute façon, on va en parler, les gars. On va parler de tout ce soir. Bah, je vous le dis, on va parler de tout. On entend les joueurs là-bas, là, en backstage. Vous allez les voir ce soir. Il va y avoir des surprises. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi les gens par la main. Voilà, je vous le dis, les gars. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas l'e-sport. Et du coup, on va essayer de faire notre possible, nous, justement, pour leur faire découvrir notre univers. Et... Pédagogue un maximum, quoi. Bah, vous avez vu, Lucas, il s'est lancé. On va aller voir dans la régie. Attrape une petite hélice. La régie est en feu. Le petit Steph là qui fait. C'est pas la team. Ok,
Non, mais je crois que là, le leak, il est fou, là, au moment où on se parle. Ah ouais? Bah, je crois que sur le site, il y a le shop qui s'est activé. Mais non. Il est là. Il est là. Il flotte dans l'air. C'est trop tard, il est là. Oh, les gars. Ah, là, c'est le reveal du maillot. Moi, j'en veux un de suite. T'as déjà cliqué sur pré-order, là? Oui. Voilà, on espère qu'on va remporter des coupes comme celle-ci que nos joueurs ont fièrement gagné lors du split 1. Et en parlant de nos joueurs, on les présente via une petite vidéo. On va enfin les accueillir. Vidéo jingle. Vite, 45 secondes. C'est pas bon, les joueurs. Attention, t'as cassé seul. Oh là là, mais tous ces beaux clips, mais tous ces beaux joueurs. Oh là là. Eh les gars, on en live avec vous, c'est un truc de ouf. Essayez les gars, on peut. Taka, c'est le fameux joueur qui a une rivalité malsaine avec Gotaga. Ou... mais quand tu as tiré, les gars, moi je le kiffe. Donc Taka, les gars, dueliste, très très fort, MVP du coup du split 1 saison régulière. Il y a déjà sa petite communauté. Boosté sur Apex, voilà, je le dis, je balance. On va faire un match d'exhibition sur Valorant, le jeu sur lequel actuellement on est présent en e-sport. On se retrouve in-game pour un match 5 contre 5 versus nos joueurs. Où ils seront bien nerfs. Bien nerfs. Je vais laver ta caste. A tout de suite les gens, on vous met la vidéo. Les gars. Coco, tu gardes. En piste. Bon, là, je divise 0. GG. Bien joué. C'est vraiment des doubles, quoi. Ça, c'était à ça, les gars. C'était à ça. Ouais, elle a pris 13-0. Aïe, défaite 13-0. Tu veux savoir ce qui m'impressionne le plus? Vas-y, c'est quoi? C'est que là, tu vois, il y a toute une réale. C'est super stylé. Mais pour qu'on voit tout en game, il y a une seule personne. Oui, une seule le boss d'Okai derrière. Juste tu peux aller derrière. Et qui, comment il joue avec la manette. Oui, et qui est là, juste qui fait toutes les POV en même temps des 10 joueurs. Trop fort. Regardez-moi ce setup. Clavier personnalisé. Manette. Et il change les POV, et à chaque fois qu'il change les POV, ça les change là-bas, et ça récupère en même temps la petite caméra. Parce que lui, de base, il n'a pas les petites caméras. Vous voyez la petite webcam qui est censée être juste ici. Ensuite, derrière, c'est récupéré là-bas. Donc c'est un peu compliqué comment est-ce que c'est récupéré, mais c'est là tout l'enjeu technique de la chose. Et là, Dokai, du coup, la personne qui fait les POV, switch entre toutes les personnes, c'est exactement quel duel va arriver à quel moment, donc forcément les timings sont super importants. Et là, entre chaque fin de round, hop, là il passe en mode cinématique. Donc il prend la manette et il suit le joueur. Là, hop, il repart. Et là, la petite cinématique. Ouais, ça c'est pour le vlog, ça c'est que pour nous, ça. Que pour nous, ça. Ça, les gars, on se rend pas compte quand on regarde une partie de Valorant, de League of Legends, peu importe, on se rend pas compte. Et en fait, il y a des personnes qu'on appelle des ops qui sont là, c'est leur métier de suivre la partie. En fait, de faire le rôle de caméraman, mais in-game, en jeu. Et ça, c'est un truc que je trouve impressionnant parce que quand on en a pas conscience, on s'en rend pas compte. Mais en fait, c'est un putain de métier de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je pense que nous on va retourner côté canap, donc on vous laisse vous reposer et on revient et on arrivera avec une dernière annonce dans 4 minutes. Une dernière annonce, ouais. Et puis voilà. Les gars, après quand c'est fini, vous allez dans la salle. Vous voulez vous faire, je sais pas s'il est encore démaquillé ou. Ouais, j'en étais, ouais, dinguerie. Bah non. Je me suis dit, ouais, il y a after, la petite fille, c'est quoi ça? Ouais, ça met bien la structure là. Ça sera dans le vlog, hein. D'accord. Ils ont rejoint. Forcément, il y a des trucs, les mecs sont trop forts, je sais pas comment ils ont trouvé ça. Ça bah en data minant, hein. Clic droit, inspecter, il y avait tout. C'était pas non plus les hackers, quoi. Nous dites-vous qu'on va faire notre maximum, ça fait longtemps, très très longtemps qu'on voulait lancer ça. Donc un grand merci à vous les gars, nous on vous laisse avec du coup l'annonce de mercredi, et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau live Gentleman tout simplement. Merci d'avoir suivi, merci tout le monde, à très vite. Et bah les gars, GG. Je sais même pas quelle heure il est. Ah, il est tard. Hein. Tu vous sais, parce que comment les qualifs? Parce qu'on voulait regarder de base. Bah, en vrai, hier c'est bien passé. Là, aujourd'hui, en fait, en gros, on avait travaillé un spawn sur une strat qu'on avait fondée. Et au final, on s'est rendu compte, genre une heure avant, que c'était pas la bonne strat. Sauf qu'on pouvait pas, une heure avant, ouais, vous pouvez changer. Du coup, on y est allé. On s'est dit sur 200 duos. Ça a plu maintenant les fins de game? C'est la dernière fois que j'ai regardé, ça n'allait pas. Un peu, mais en vrai, ça l'a beaucoup moins qu'un après. On s'est dit, vas-y, tranquille, on va quand même y aller. N'importe quel game, on y allait, il y avait genre 4 duos qui venaient. J'avais peur que sur le chat, les gens sont en mode Fortnite.
flemme et au final, j'ai juste une clavier souris et je vous jure, je le fume tous les jeux. Frérot, il m'a menti, il m'a dit qu'il était passé Preda. Je lui dis, mais du coup, t'as la fumée, il m'a fait quelle fumée quand tu finis Preda à la fin? J'ai menti, c'est vrai, mais je suis diamant, c'est pareil. J'ai même pas monté master. Et j'ai pas très hard un mois. Il joue qu'à ça. C'est d'ailleurs affligeant de voir à quel point il est fort sur Valo alors qu'il joue qu'à Apex. C'est dur cette rivalité. Ce soir, je l'ai terminé. Ouais, j'ai pris quelques coups de couteau quand même. Ce soir, l'équipe Gentlemate m'a terminé. C'est à la fin de la game, j'ai regardé, j'étais en 7-2 contre lui. Ouais, il a gagné un duel de loin, mais bon, en vrai, il est pro quoi. Ouais, c'est vrai. T'as pas grand chose à dire à ça. Ouais, mais même, je l'ai quand même terminé. Que sur le classique au gosse, t'avais dit ouais, au classique, tu me suis pas. Mais en fait, le gosse est trop fort, le gosse, comment. Après, si on avait été en attaque au gosse, on a mis plus de rounds. Nous aurions calmé chez mais on a. Et puis on voulait tryhard, on a vu le GR, on s'est dit c'est normal. Ah mais le GR on a des gains aussi, donc on avait aucune chance. C'est pas un vrai. Je te détruis en vrai. J'ai joué quand tu faisais 90. Nathan par contre il te reste. Ah Nathan il jouait. Vraiment? À l'époque de la World Cup, ouais, il était scribe. Il a fait après en vrai, et Gotha il joue. Tu penses que tu vas sur Knight? Ça fait 1000 ans il a pas touché. Oui bah Nathan aussi. J'ai joué vite fait pour Nadinox. Ça prend la température avec les joueurs un peu sur la scène actuelle, etc. Bon petit Steph, on en pense quoi de la soirée là? Là je me régale de sushi bro. Ouais je vois ça là, tu te tapes des sushis mon pote. Oh, je suis explosé. Et les gars, on a un mois d'avril. C'est un truc de fou. Semaine prochaine, dans votre vlog prochain, on saute à l'élastique. Mon prochain day off, c'est vendredi. Non, c'est quand on saute, ça. Non, tu viens, Steph. Ah, Jeff, reviens. Faut que je t'aide à débarrasser quelque chose. Mercredi, faut que tu me remplaces sur un événement, moi. Ouais. Alex, il va t'expliquer. T'inquiète, c'est rien. C'est genre. J'ai un live avec, avec le P. Ah, du coup, tu peux pas solette. Ah, non. J'arrive Corentin. Non, il t'appelle pas, il a dit Steph, t'es là mercredi quoi. Tiens. Salut toi. Il y a une affinité. Qui? Ça va toi? Ça va et toi? Je veux la province un coup. Attends, elle vient avec son maillot et tout là, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, sort, ouais, sort. Je sors de Watch Party, les gars. Ça va, t'as bien joué pour les califs. Ouais, t'es fier de moi. Ouais, c'est bien, t'as bien joué. Bah, t'as eu quand même des maps, elle a quand même fait un James Bond. Ouais, mais je suis remontée en 10-10 à un moment donné. Mais c'était chaud, vous avez vu le mental. Mental d'acier est en 0-7. Tu sais que j'ai pensé à toi et après t'es remontée de fou. Elle part comment la carrière là, du James Pro là? Elle commence pas, mais vas-y, c'est pas grave. On est pas là pour parler de ça. Elle est en pause, ouais, en pause maillot cassé et tout. Ça me termine. Ça me termine. Genre la meuf vient de faire un Yo! Bon la team, yo, fin de soirée. Je sais pas si je suis dans le plan. Yo la team. Yo la team. Fucking team e-sport. Mais tu sais qu'en vrai on est tellement dans le jus qu'on cala pas en fait. Je me suis pas encore posé pour comprendre. Dans le jus, là. J'ai juste trop hâte qu'ils lancent leur équipe de tennis pro quoi. Après je serai comme Nikov tu vois, le head of tennis. Je serais peut-être joueur pro, je sais pas, faut que je vois encore. Bon voilà la team, c'était une super soirée. Gros GG à Elise, gros GG à Steph, gros GG à Alex. Non c'est une... moi j'ai rien fait les gars, c'est vous qui avez tout géré. Là ça va dormir parce que demain reblotte et après demain reblotte. Oui, et lundi reblotte. Demain c'est quoi du coup? Demain c'est le cast du premier match officiel Gentlemate sur Valo. Oh putain tu parles du nez toi. Salut mon petit Steph. Ça va se reposer, bisous la team, plan de coupe trop stylé, la Ferrari qui part. Oh là, combien de litres? 1 litre 2. Yo la team, comment vous allez? On est samedi après-midi, il y a des petits loups qui s'entraînent avec leur coach et leur analyste. Et nous, on est en train de faire l'install pour le cast avec le J, le E et le A. Faut que je sorte la cam pour pas les aider. Je l'ai dit aussi fort que ça? Ah merde. Vous voulez que je vous aide? Ah faut que je filme, c'est relou hein. C'est relou. Ouais non, t'as trop d'expérience toi pour le vlog, désolé. Désolé. Nous on veut des amateurs de la caméra mon ref. Gentlemen. Regardez, j'ai le doigt cassé et tout, regardez ce que je veux. Je vais t'aider, il faut juste que je trouve un truc pour la cam quoi. Regardez, il fait rien. Attends, j'arrive Marus. Bah maintenant que tu l'as posé, t'inquiète. Ah oui, bah ouais, tout le monde a les doigts cassés là. Ça va où ça hein? Devant l'autre. Putain, j'ai une tonne. Ah ouais, attends, je vais t'aider. Vas-y, ramène vers ici là. Comme ça, un peu plus. Voilà. Vas-y. Pousse un peu vers là-bas maintenant. Stéphane ne serait pas le logisticien? Ah ouais, nickel. Ils vont casse comment, debout ou chaise haute? Chaise haute. Une heure et demie avant le live, je ouïe dire dans mes oreilles que Corentin est arrivé. Il a géchant depuis qu'il est papa d'une structure, lui. Regardez ce bon élève, on est à 1h30 du live et il est déjà là. Steph, il a une tête de cadavre? Oui, il a une tête à tout faire. Surtout le plus gommé. Coco Brooks, on est comment là, à quelques minutes du premier match officiel de Gentlemate? Quelques minutes, on est là. Je veux voir, mais ça fait quand même quelques minutes. Merci. Pour le vlog, ça sera même quelques secondes. Moi je suis toujours confiant, mais je suis toujours confiant aux joueurs. Moi je suis pas confiant, on joue à Ascent. Les deux dernières fois qu'on a vu Ascent, Chestron, c'est cool. Et on s'est confirmé sur Ascent, mais bon, faut bien que ça change un jour. Et pourquoi pas maintenant? Biaz, il est en train de leur lire le playbook. J'ai vu, vous êtes sorti à cause de ça, c'est ça? Bien sûr, on leur laisse leur moment, c'est leur espace. On reste pas avec eux, c'est coach, c'est coach et joueur. On va voir, hein. De toute façon, on va les soutenir, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Bien sûr. On veut de la victoire, évidemment, tout le monde. Mais bon, s'il y a de la défaite, faut qu'on soit là aussi. Encore plus. Et encore plus, pour être encore plus là quand ils perdent. C'est facile d'être là quand ils gagnent. Oui. Bon, quand ils perdent, t'inquiète. Comme ça.
Petite prédiction de score ? 13-8 pour nous. Okay. Voilà, je me mouille. 13-8. Merci Big B. Bon la team, fini de rigoler, on va faire le point sur les assets avec le Real, c'est parti. Ouais, t'es beau toi. Moi j'ai des trucs de chacun de vos joueurs là. Ouais, c'est des stats et tout, c'est cool. Ça, là. Ça c'est un visuel explicatif de ce que c'est que tournoi Ascension. Tous ces trucs là, je les fous en full ou je les fous dans un machin comme ça? Dans un machin comme ça. Est-ce que t'as repris du coup ce qu'il avait mis Cédric, les nouveaux trucs? Parce que du coup on a adapté les sponsors et tout. Les gars, c'est le tout premier match Gentlemates. Maintenant là, on va le commenter, c'est sur la chaîne de Gotha, je vous mets le lien. Allez, les Gentlemates. Peut-être on commence, on parle debout et on s'assoit quand on regarde le match. Ouais, c'est ça, c'est mieux. On stresse plus pour aujourd'hui ou celui d'hier, le live? Ouais, c'est différent, hein. Ah non, c'est un stress différent. Moi, je suis hypé là. Genre, moi, je suis pas stressé pour le live, je suis stressé pour eux. Là. Pour les joueurs. Oh, mec, c'est émouvant. Oh non, tous les flags et tout. Ouais. Ok, ça va lancer, attention. Attends, mais du coup, on est debout ou pas? Ah, moi, je me mets debout, Vite, ça va lancer. Bonsoir tout le monde. On est là, tranquillement, on va commenter. Putain, les gars, je viens de le tweeter là, j'avais tellement hâte. Je suis trop eu. Commenter le premier match. C'est qu'ils ont quand même pas mal acheté. Ouh. Oh wow, le push est très très bon. Eh oui, les flashs. Ouf. Oh là là, c'est bien. Attends, mais quoi, il s'est passé quoi? Il était flash. Il s'est fait flash en l'air. Par ses coéquipiers. Ah, j'étais en mode de tir, frère. Ils ont mal été coordonnés. Mais tant mieux. Ah, Solari, vous avez pas de team Orca. Aïe, aïe, aïe. Il y a Wailers dans le dos. Oh là là, il est là. Wailers, ouais, c'est dernier, let's go. Ok, le sniper au top, c'est le dernier. Let's go! On en a WAP, messieurs! Magnifique! Voilà, mais parlez pas de comeback dans le chat! Ah, je respirais plus, moi! Donc là, ils ont. Peut-être balle de match, les gars! Première balle de match, les gars! On va en avoir plusieurs, faut concrétiser! Ok, alors on va foncer en B pour garder. Les gars, c'est peut-être la première win officielle de Gentlemates. Il y en a un fond de site Beyaz, il y a Nathan qui est caché derrière les caisses qui regarde Stairs. Allez, là ils sont en double ligne. C'est en double ligne. Ça veut dire que s'il arrivait Escali, il avait deux mecs qui allaient le regarder. Et là, il passe derrière Nice. Commence ici la première défaite de Gentlemates, ça sera pas aujourd'hui. Ça sera pas aujourd'hui. Ouais, team, c'est le vlog. On a éteint Solari, gros. Éteint Solari, poteau. Wallah, je les ai éteints. Allez. Oh là là. On a qu'un là. Ah, y'a que. Ah. Ouais. Bravo. La pression avec les gens aussi, tu sais, ça commençait à lâcher des hier, quand on perd un round, machin, etc. Non, franchement, ils ont été incroyables. N'hésitez pas à aller les follow, les gars, sur les réseaux, machin, aller leur donner de la support. On est passé par là et franchement, ça fait du bien surtout sur les réseaux de nos jours. sur les réseaux, les gars, de nos jours où il y a vraiment beaucoup de haine en général, des petits messages d'amour, etc., ça fait toujours kiffer. Donc, on les a éteints. Il y a vraiment beaucoup de gens, c'était leur tout premier match ever de ballon. Oui, il y a vraiment demandé de gagner. Et ils connaissaient pas. Donc on expliquait vraiment en mode alors voilà, l'écho c'est ça, bonus round c'est ça, la rite comme retake ça veut dire ça, tu vois. Mais les gens ils kiffaient, ils étaient en mode ils se régalaient quand même, tu vois. Et c'est cool, hein. Non, mais on va avoir. Désolé, je vous ai beaucoup coupé et tout, je me rendais compte pendant le truc. Non, on se coupait tous, mais c'est normal, mec. Mais dans l'excitation, je pense dès demain, tu vas voir, on va step up dans le. Voilà. Cet homme, à ce qui paraît, me fout droit au tennis de table. C'est ce que tout le monde dit. Logan, à la fin du match de ce soir, quand vous les aurez exterminés, toi et moi, on doit faire un grand duel de tennis de table. Parce que Corentin dit que tu me détruis, il y a un gap de fou. Moi, j'attends le champion du ping-pong. Mais fort, à la G-Corp, fort. C'est vrai? Non, non, parce qu'on m'a dit Logan le meilleur, je sais pas quoi. Il est trop nul. Mais dis pas ça, c'était les 7-1 tout à l'heure. Il a posé la raquette. Ah, mais c'est pas lui le meilleur de vous? C'est Beyaz, mais il a besoin de 5 games des choses, genre. Ah ouais, t'es chaud. Ah, t'es chaud. Fin du match, quand vous aurez exterminé les 3D Max, on viendra jouer. J'espère que vous allez bien, les gens. Bon, les gars, hier, vous avez tout cassé sur le chat, hein. Clairement, hier, vous avez tout cassé. Donc, même les réseaux, les joueurs, on les voyait, ils avaient des petits smiles, machin. On est resté manger avec eux et tout, c'était cool. Est-ce qu'en event, on va venir en costard, tu penses? Faut faire des costards gentlemen. Ce serait génial. Des costards gentlemen, t'imagines? Ah, on a la composition. Bah, là, voilà. Hein. Oh, c'est la même. C'est la même. Avec Logan, du coup, tu n'auras pas de contrôleur en face. Oh, en face, ils jouent Gecko. Ils sont maintenant sur le site, on a deux joueurs. Là, ça va être dur pour Nathan. Qui est premier de le remporter. Oh là 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 là
Ça, c'est stylé, quand même. Ah, c'était ça, Je croyais que c'était le deathmatch. Ah, je peux comprendre. C'était bon, c'était bon. T'as bien fait d'avoir une petite victoire sur Valo, comme au ping-pong, tu vas perdre. Allez. Moi, t'as vu, je suis le genre de personne, je parle pas. Moi non plus, je parle pas, mais Corentin est persuadé que tu me détruis. Mais c'est sûr, parce que là, les raquettes, elles sont pétées, tu m'as vu jouer, tu crois. Ah, ça commence, c'est les raquettes. Si tu perds lui, tu perds lui. Mais tu sais qu'on m'a dit que Logan, c'était le plus fort de tous. Mais vraiment, je vais te tuer, c'est sûr et certain. À part si t'as fait les Jeux Olympiques, je pense que. Oh là. Oui. Et ben, salutations distinguées, 3D Max. Merci pour. Cordialement. Ah, il y a eu un bisou sur le crâne du capitaine là. ta casque qui flex. Voilà, regardez. Mes multiclonages, attends, viens ici, Steph. Ouais, c'était bien. Hein ? Comment tu peux être à deux endroits en même temps, mec ? Ouais, mais t'es trop fort. Ce mec est mystérieux. Bravo mon capitaine, bravo mon capitaine, bravo mon Wellers. Les gars, vous nous laissez pas savourer, tu sais. Les gens, ils veulent du contenu. Du coup, on est deuxième de la ligue. Les premiers, c'est les JL qui sont en 6-0, 6 victoires pour 0 défaites. Et on les joue du coup samedi prochain, 21h. Donc, on vous donne rendez-vous du coup semaine prochaine. Il y a des chauds matchs de ping-pong à aller faire là. Ah ouais ? Nous, on a des chauds matchs. On vous laisse faire votre capture du match là. Nous, on fait des bisous les potes. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine, 21h contre les JL. Comme dirait ta casse, on les a éteints. Salutations distinguées. La team, je représente la G-Corp contre les Gentlemates, même si je suis un Gentlemate dans le fond. Je vais affronter Beyaz au ping-pong. Attends, mais t'as ta propre raquette ? Bah, toi ! Oh là là ! Je suis en claquette, moi ! Allez, échauffement, c'est important de se chauffer. Mais c'est Logan le plus fort. Non, c'est pas vrai, c'est Beyaz. Ouais, ça joue ! Le soir, il est sûr, ça se voit, il est sûr. Tu vas gagner, Steph ? Je pense. Je pense ! Ouais. Mais au 3 en 11. Couché de service, deux services, super. Merde. Oh non, bien joué Béa, tu défends bien. Ça. 11-3. Attends mais... 2-0. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. J'ai beaucoup cette phrase. Oui. C'est pas bon signe généralement. Oh bien joué Béas. Ton frérot trop trop fort. Il bat Logan. Je savais que j'allais perdre quand il a sorti la raquette de son sac. En plus t'as pas de ta raquette. Donc si t'as une raquette, je pense. Ouais, il y a un match, pour la semaine prochaine. Déjà que là il y a match. Eh, c'est physique le ping-pong. Bah, ouais. Bon la team, là c'est la partie un peu moins fun. C'est la désinstallation, on a chargé tous les écrans dans ma voiture, plus tous les câbles, plus tout le matériel qu'on avait ramené. Et on part réinstaller tout ça à la G-Corp pour bootcamp. C'est parti. 2 hours later. Bon la team, on vient d'arriver, il est 00h30 je crois. Les joueurs doivent jouer, ils veulent jouer ce soir. Du coup il y a les PC qui sont là, qu'on a démonté du bootcamp. On va devoir tout installer, mais il y avait encore le coffrage R6, le matos R6, sachant qu'on devait tout installer demain. Ubisoft, venez chercher. Voilà, donc là je suis en train d'arracher le coffrage, on a fait passer les fils. On va devoir installer tous les PC, débrancher les anciens PC parce qu'ils ont des nouveaux PC. Et tout ça un dimanche 30 à minuit, un dimanche soir à minuit 30, après avoir travaillé tout le week-end. Et demain l'émission, on est comment Élise là? Heureusement qu'il y a Esteban Ocon pour me motiver à venir demain, parce que sinon... Let's go! Et en plus, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Donc, je filme au téléphone. Voilà. Et Stéphane, il est essoufflé. Ouais, je suis essoufflé. Ouais, contre Beyaz. Non, et surtout parce qu'on vient de monter 9 écrans d'en bas du rez-de-chaussée. Et on est en train d'arracher le coffrage. Allez, la team. Bon courage. La plupart, vous devez dormir à cette heure-là le dimanche. Et nous, on fait de la menuiserie. Voilà. Bisous, la team. Ouais, 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 la team. On part en tournée. On voit tout. On voit tout. Ouais, je spoil. Bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi. Il n'y a aucun moment où je saute. Rien. Wesh, wesh, wesh.